Je me présente, je m'appelle Maria Soledad Obonumba. Je suis équato-guinéenne. En quelque sorte, je suis la nièce et fille adoptive du président de la Guinée équatorienne. Le président actuel, M. Teodoro Obiang Nguema Mbazogo. Les premiers événements que j'avais subis, ça datait de... Ça fait loin. Ça fait très loin. C'est dans les années 80. 90. J'avais entre 16 et 17 ans. J'avais à peu près 16-17 ans par là, si je ne me trompe pas. Le premier contact violent, c'était en 1986. Je venais juste de terminer mes études au Maroc. On venait juste d'arriver. C'était les premiers contacts violents. C'était en 1986. Dans quelles conditions ça s'est passé? Ouh là là. Je peux vous dire, ça a été... En fait, je venais de finir mes études au Maroc parce que j'étais à l'école d'infirmière au Maroc. Et c'était ma première année. Et j'avais commencé mon travail à l'hôpital général de Malabo. Après mon travail, je rentre à la maison. On n'habitait pas encore au palais. Le palais s'appelait à l'époque, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, ça s'appelait Casablanca. Mais on n'habitait pas encore à Casablanca. On habitait la maison qu'il avait comme quand il était militaire. Et c'est dans cette maison-là qu'on habitait. Je rentre du travail et je rentre dans ma chambre. Je trouve ma chambre comme si c'était un cambriolage. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je me mets à pleurer. Et il y avait quelques majordomes à côté, ils m'ont entendu pleurer. Ils sont venus me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Après, quand ils ont vu ça, ils ont compris pourquoi je pleurais. Et j'étais assise. Et ça n'avait pas tardé, le président est rentré, il a demandé d'après tout le monde. Et après, il avait demandé où est-ce que j'étais. Et les majordomes lui avaient dit qu'elle est dans sa chambre, elle est en pleurs. Et il a posé la question, mais pourquoi? Je ne sais pas si les majordomes lui avaient expliqué ou dit pourquoi j'étais en pleurs. Lui-même, il est venu. Et quand il est rentré dans ma chambre, il avait trouvé que j'étais en pleurs. Et il a vu tout ce qui est tout le bazar. Le cambriolage, tout ce qui s'est passé dans ma chambre. Après, il a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, c'est... À l'époque, j'ai appelé maman.
J'ai dit, c'est maman qui a tout renversé, il a pris mes armoires, je n'avais plus rien, il avait tout mis par terre. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai rien compris. Après, il m'a appelé, il dit, viens, lève-toi. Et je me suis levée, et moi j'étais toute contente, une gamine qui s'est dit, eh ben, je serai consolée par mon père. Il m'avait pris dans ses bras, il me dit, viens, viens avec moi. Et nous sommes rentrés dans sa chambre parce qu'il venait juste de l'extérieur. Il dit, attends-moi, je vais me changer, on va parler. Et après quelques minutes, je le vois dans une tenue d'Adam et Ève. Je dis, mais papa, c'est quoi? Il dit, mais si tu veux que je te défende auprès de ta mère, ben, tu sais ce que tu dois faire. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais pourquoi tu me fais ça? Il dit, mais parce qu'il faut que je te défends. Je dis, c'est comme ça que tu veux me défendre? J'ai encore cette question dans ma tête. Après, bon, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas si crier, si j'étais tétanisée. Et du coup, comme il a vu que je ne réactionnais pas, je ne réagissais pas, je n'ai pas réagi. Et c'est en ce moment qu'il m'avait pris de force. Il m'a jeté sur son lit. Et c'est là où tout a commencé. Et ça ne s'arrêtait plus. C'était la première fois. Et la suite, c'était à chaque fois, il envoyait les majordomes de venir m'appeler. Oh, va chercher l'enfant, on va manger. Et les majordomes venaient pour dire, ah, Excellencia Teyama. Il faut que tu viennes manger. J'ai dit, je n'ai pas envie de manger. Il dit, s'il te plaît, si tu ne viens pas, tu sais que c'est moi qui vais payer. Ok. Pour ne pas qu'il soit puni, j'accompagnais le majordome. Et bien, je savais ce qui va m'arriver. Et après, on avait déménagé. On est parti à Casablanca, au palais. Et là-bas, c'était tout le temps. Parce qu'à Casablanca, il y a un tunnel qui sort du palais de Casablanca. Il y a un autre palais à côté qui s'appelle Palais 3 de Agosto, Palacio de 3 de Agosto. Et il y a un tunnel qui part de Casablanca et qui va jusqu'à là-bas. Et c'est là-bas où ça se passait. Et c'est là-bas où ça se passait, ma souffrance. Cette souffrance a duré toute ma vie. J'ai commencé même à voir des enfants. J'étais sortie du palais à cause de ça. Et ça a continué. Ça a continué. Ce n'était pas les enfants de lui, mais je sais qu'il m'avait engrossée. Et j'étais tombée enceinte. Et un jour, je suis allée le voir et je lui ai dit, écoute papa, ce que tu me fais, c'est pas bien parce que là je suis enceinte. Et il me répond, tu ne couches pas avec d'autres hommes? Tu crois que c'est moi seule qui couche avec toi? J'ai dit, ah bon? Et j'avais une amie à l'époque et je lui avais parlé, c'était une thèse. Et c'est elle qui m'avait amenée au Cameroun pour me faire avorter. Et j'avais avorté. Et donc, voilà. Pour moi, ça a été en quelle année? C'était 1987. Je venais juste de finir mes études au Maroc. C'était en 1987 parce qu'on avait fini les études en 1986. Et ça s'était passé en 1987. Ça a duré jusqu'à ce que je m'étais mariée. Et je m'étais mariée précisément pour fuir. Il me fallait un refuge. Il me fallait un refuge. Mes premiers enfants, c'était un refuge. Et mon deuxième mariage, c'était un refuge. Il fallait que je trouve un refuge quelque part. Je n'ai pas envie de pleurer, mais
Ben, ça s'est passé avec d'autres, je le sais, parce que je me suis dit, si ça se passe avec moi, c'est parce que ça se passe avec les autres. Pourquoi? Parce que les autres ne disaient rien et les autres étaient les préférés de la maison et moi non. Parce que j'étais un peu rebelle, comme on m'appelait princesse rebelle. C'est le surnom qu'on m'avait donné, princesse rebelle. Parce que j'étais rebelle. Et à l'époque, je m'associais avec la rébellion de Stéphanie de Monaco. À l'époque. Parce que vous savez, il y a les années où Stéphanie de Monaco était vraiment. Et je m'associais à ma rébellion à elle. Ça s'est passé avec des enfants. Tous les enfants qui ont habité le palais, il n'y a aucun des enfants qui n'a pas subi. Mais ils n'ont pas eu le courage que moi j'ai eu. Parce que moi, je ne concevais pas comme quoi j'ai soi-disant un père qui peut me faire les choses qu'un homme doit faire à une femme. Je ne supportais pas et je ne concevais pas. Nous parlons très bien de Teodoro Obiang Nguema Mbazogo. Il est de Akwakam. Son village, c'est Akwakam Esangi Mongomo. Sa mère s'appelle Mbazogo Ngui et ma grand-mère s'appelle Afang Ngui. C'était deux sœurs. Ma grand-mère était l'aînée et sa mère était la petite sœur. J'espère revenir en Guinée si ce énergumène n'est plus aux commandes. C'est un énergumène parce que ce n'est pas une personne. Il n'est pas humain. Il n'y a même pas de justice. Vous avez un problème, vous allez vous plaindre où? À qui? Chez qui? Pas de justice. Comme je parle, c'est peut-être parce qu'on peut penser que je suis loin, c'est pour cela que je parle. Même s'il était en face de moi, je vous le dis, je le dirai et je le cracherai même encore plus, mais en patois dans mon langage, meilleur que ce que je fais. Parce que je n'ai pas peur de lui. Je le sais, je le confirme parce que c'est comme ça. En face de lui, je le dirai. Et je veux qu'il écoute ça. Que même en face de lui, les yeux dans les yeux, je le lui dirai. J'ai pas peur de lui. Et je vais le confirmer en me regardant les yeux dans les yeux. Je le confirme. Et s'il a un mot à dire, s'il est un homme à me dire quoi que ce soit, eh bien qu'il me répond. En face de moi, c'est face à face. Qu'il me répond. Qu'il me répond, s'il est un homme, qu'il me répond. Parce que ce que je dis, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. J'ai vécu là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai eu mes enfants là-bas. Et on est du même sang. Le sang qui coule dans ses veines, c'est le même sang qui coule dans mes veines. Il ne peut pas nier. Il ne peut pas nier. Le premier interview que j'avais fait à l'époque, quand j'avais dit, mais papa, il dit non. Vous n'êtes pas ma fille, je dis, je suis la fille de qui? Je suis la fille de qui? C'est vrai, je ne suis pas votre fille biologique, mais nos traditions disent que je suis votre fille, parce que je suis la fille de votre frère. Ma grand-mère et votre mère étaient même père, même mère. Mbazangui. Et Afangui était ma grand-mère. Mbazangui, c'était sa mère. Vous allez me dire que je suis la fille de qui? Même si j'étais une fille adoptive, mais j'ai vécu dans ton palais. J'ai grandi là-bas et j'ai vu. Face à face, je vous le dirai et je vous le cracherai au visage. Et j'ai pas peur de le lui dire face à face. C'est pas parce que elle va dire, oh, parce qu'il est loin, je ne sais pas. Non, c'est pas parce que je suis loin. En face de lui, je le lui dirai.